À toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, on va s'intéresser à comment recréer les équipes nationales manquantes sur EA Sport FC 24. Ça y est, on commence à connaître le nom. Et donc, je vais vous montrer tout ça aujourd'hui. Alors, moi, ces équipes nationales manquantes, je les recrée dans la Ligue Arabie Saoudite que je n'utilise pas. Et donc, par exemple, pour vous montrer, ici, j'ai recréé l'équipe d'Algérie avec Riyad Mahrez, Ben Rama, Ghezal, Boudaoui, Benasser, Mandrea, qui joue d'ailleurs à Caen au passage. Gros big up parce qu'on est supporter du SM Caen. Enfin bref, du coup, je vais vous montrer comment recréer les équipes nationales et après on s'attardera sur comment créer chacune des équipes nationales que j'ai pu recréer parce qu'il y avait assez de joueurs sur FIFA, donc on va voir tout ça. Donc là, c'est la vidéo générale, je vais vous montrer comment on fait pour recréer ces équipes. Donc là, Algérie, ici Uruguay, ici Alpha T, c'est l'équipe du Sénégal, ici le Brésil qui est absent de FIFA, ici le Japon. Donc voilà un petit exemple, un petit échantillonnage des équipes que j'ai recréées. Pour l'instant, je n'ai pas tout recréé, mais dans l'idée, en plus de celle-là, je voudrais bien recréer la Colombie, la Suisse, la Serbie, la Corée du Sud, des équipes nationales importantes qui ne sont malheureusement pas présentes sur FIFA. Justement, les équipes nationales présentes sur FIFA, les voici. Il n'y en a que 30, c'est très faible. On voit bien que dans l'ordre alphabétique, il n'y a pas le Brésil déjà. Il n'y avait pas l'Algérie au début. Il en manque pas mal, hein. Vraiment énormément d'équipes manquantes, hein. Voici en tout cas celles présentes. Alors, on s'aperçoit qu'à la fin, il n'y a pas l'Uruguay par exemple, hein. C'est des petits exemples en tout cas. Donc comment on va faire? Vous allez aller, donc je vais vous montrer du début pour que ça soit plus facile. Là, vous êtes dans l'accueil. Donc vous avez tous les menus. Vous allez aller tout en haut à gauche en faisant la petite flèche de gauche, que ce soit de votre clavier ou de votre manette. Le petit engrenage. Vous allez ici dans modifier équipe, transfert club. Vous allez sélectionner l'équipe où vous voulez accueillir cette fameuse équipe qui n'existe pas. Donc moi, je vais vous prendre par exemple Etifak FC. Donc voilà, et dans cette équipe, imaginons que je veuille recréer l'équipe de Suisse. Et bon, on va aller chercher Shaqiri, par exemple. Shaqiri. Alors, faut savoir, en fait, faut qu'il joue en fait dans une équipe qui est répertoriée sur FIFA. Or là, c'est pas le cas. Donc Shaqiri. C'est parce qu'on l'écrivait mal, tout simplement, que Jordan Shaqiri, voilà, il joue au Chicago Fire aux States, et on va le mettre dans cette fameuse équipe Etifak FC. Donc là, on va créer l'équipe de Suisse ensemble. Vous avez Xhaka, qui est assez connu, hop, on le met dans l'Etifak FC. Vous avez le gardien Yann Sommer, hop, on l'ajoute également. Akanji, alors je l'ai peut-être mal écrit en allant un peu vite, voilà, il est bien là. Alors, le point problématique, c'est que vous allez perdre un petit peu la réalité des vraies équipes en enlevant ces joueurs au club, mais c'est la seule manière connue sur FIFA, enfin là maintenant sur FC Sport, de recréer ces équipes nationales. Ruben Vargas, on a aussi Seferovic. Ouais, c'est une belle équipe la Suisse, c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas les droits et que cette équipe soit absente du coup de FIFA, qui est censé être le plus grand jeu de football au monde, donc hébergeant toutes les équipes mondiales normalement. Voilà, donc dans l'idée, c'est ça. Kobel, c'est bien un gardien. Après, vous avez Okafor ou des joueurs comme ça. Hop, il n'y a pas le T, sûrement. Voilà, dans l'idée, c'est comme ça. Ils n'ont pas Okafor. C'est long. Voilà, donc dans l'idée, c'est comme ça. Et maintenant, l'idée, c'est aussi d'enlever les joueurs qui étaient présents initialement dans cette équipe et qui ne sont pas suisses. Donc là, on va prendre un club que j'utilise pas, le Brisbane FC. Hop, et on envoie dedans. Hop. Je crois que lui, voilà, tout ça c'est pas suisse, ça dégage. Et donc là, on vire tous les joueurs qui sont pas suisses et on les met dans une autre équipe en fait. Ok, donc là il n'y a plus assez de joueurs. Bam. Et donc là, on va rajouter quelques joueurs qu'on n'avait pas rajoutés encore. Hop, il faut pas se tromper, hein. On est dans les Tifag FC. Jachari, hop. Bislimi. Ah et Fabien Char aussi. Enfin, il y en a beaucoup à ajouter, hein. Ricardo Rodriguez aussi. C'est pas lui. Ricardo Rodriguez est un défenseur. On va aller la chercher.
Voilà, il est là, Ricardo Rodriguez qui joue au Torino. Iten. Hop. Donc là, on arrive déjà dans les joueurs moins connus, donc des notes moins élevées, vous l'avez compris. C'est pas Bruno Fernandes, hein. C'est Edmilson Fernandez. Widmer, c'est vrai. Enfin voilà, dans l'idée, c'est ça. Comme ça nous permet de dégager tous les joueurs qui ne font pas partie de l'équipe de Suisse, vous l'avez compris, pour recréer une équipe officielle. Donc là, on va reprendre une équipe qu'on ne sert pas. Hop. Et on vire tous les joueurs qui ne sont pas suisses. Après le problème des 17 joueurs, bon, enfin bon, voilà. Une fois qu'on a fait ça, bam, on va dans composition d'équipe. On va dans la Ligue d'Arabie Saoudite. Donc moi j'ai choisi de recréer des équipes nationales dedans. Ça, c'est votre choix personnel. Donc là non, nous on a fait l'Etifak FC, qui sera donc maintenant l'équipe de Suisse. Alors faites attention quand vous faites les mises à jour d'équipe, ça se peut que du coup vous perdiez ces modifications-là. Donc faut faire attention, faut jouer sur les mises à jour, celles qu'on ne peut pas faire et tout. Donc Mbolo, Vargas, Xhaka, Shaqiri, Freuler. Lui, je suis pas sûr qu'il soit suisse, donc hop, on va le dégager. Pas forcément. Kobel ou Sommer, on va mettre Sommer parce que c'est quand même légendaire. Chara, Kanji, Widmer, Rodriguez. Ok, il nous en manque peut-être encore quelques-uns. Enfin voilà, vous pouvez faire des retouches après pour recréer une équipe complète, quoi. Et puis après, vous ajustez aussi ça, les rôles, le capitaine, voilà, c'est peut-être plus Shaqiri qui a l'expérimentation ou Xhaka, enfin voilà. Et ensuite, vous faites sauvegarder et vous avez donc recréé une équipe qui ressemble à la Suisse. Alors, vous pouvez privilégier des équipes qui ont des maillots similaires à l'équipe nationale, si vous voulez vraiment aller dans le détail, mais dans l'idée, là, vous avez recréé une équipe de Suisse fonctionnelle pour jouer par exemple à la Coupe du Monde ou des choses comme ça. Donc voilà, la team, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Ciao, ciao!